On est mardi matin, première journée d'école après les vacances. Une pièce de Ranvière. De Ranvière? Je sais pas comment dire. T'es comme celui qui quand elle essayait de dire fondue chinoise, là. Chinese fondue. Chinese fondue. Mais c'est quoi là, en espagnol, j'ai oublié. Enero. Enero, febrero, marzo. Parce que. Bon, il y a un rendez-vous en avant. C'est bon. Bref, les filles. Fait que c'est ça. Bon, ouais. Première journée d'école, on pleure. Sérieux, c'est genre. So sad. Ah, comment tu trouves la première journée d'école, Polichinelle? Parle-moi-en. Parce que, vu que tout le monde est en retard, ben le prof, il nous a laissé aller déjeuner, fait que c'est ce qu'on va faire. Tu laisses ces enfants-là, ok, tu fais un boomerang? Tu sais pas c'est quoi un boomerang? C'est genre full cute. Je sais c'est quoi un boomerang, mais je sais pas. Quand tu fais un boomerang, là, ça se répète, ça se répète, ça se répète. Non, non. Boomerang. Boomerang. Un boomerang. Bon, non, c'est quoi? Pas du chinois. C'était là. Alan. Olimel. C'est bizarre. Juliettier. On a une crise de projet à faire, là. Toi, t'es quoi encore? Les passionnés de la charcuterie. Toi, c'est quoi que t'as? Moi, j'ai Coca-Cola. Ah, c'est, lui, c'est tellement hot, il y a Coca-Cola. Toi, t'as Olimel. 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 Garde la meilleure pour toi, et t'as Danone, hein? Benjamin? T'as Danone comme projet? Danone. Moi, j'ai tout appelé ça Danone. Toute ma vie, j'ai appelé ça Danone. Danone. Toute ma mère, elle me donnait du Danone quand j'étais. Hey, je suis sûre que c'est Danone pis c'est pas Danone. Non, c'est Danone. Danone, Chris, toi, t'es latino, tu devrais me support. Toi aussi, tu disais Danone? Non, j'ai jamais dit ça. Lui, il est pogné. Ouais, c'est à ce point-là. Si je m'en rappelle pas, c'est parce que. Moi, j'ai Hyundai. Ouais. Je vais le résumer là-dessus. Ça, c'est mon projet. Oh shit, je dézoome. J'aurais dit Danone tout le long de la présentation. Aujourd'hui, je vais vous parler de Danone. Danone. Ben, t'es-tu game? De dire Danone tout le long de ta présentation. Ben oui, mais ça s'écrit de la même façon, Danone puis Danone. Ouais, Danone, ça existe pas, c'est ça, lui. Il n'y a pas de R ou E accent aigu, là. Ben, c'est Danone. Ouais, mais pas en mexicain, là, c'est. C'est pas en mexicain. Tu vois le E? Le E, c'est un E. Mais en espagnol, oui, mais pas en français, la France. Mais Danone, ça vient pas de France. Mais ça vient pas du Mexique non plus. Ben Danone, ça vient de l'Amérique, de l'Italie, non? C'est juste. Non, non, c'est italien, le Danone. C'est de la haute gastronomie avec le dinosaure. Ce gars-là, c'est vraiment pas des Italiens qui ont fait genre. Ben oui, ça ressemble à l'italien, ça. Mais combien tu donnes de temps? Ça vient de où? Attendez, je vais faire mes recherches. Hey, je vais zoomer dans sa face quand il dit recherche. Tu peux-tu dire autochtone, s'il te plaît? Non, on n'est pas question. Il est pas capable de dire autochtone, Benjamin. En plus, je suis autochtone, donc. Autochtone. Non. Danone, c'est non, canadien? Danone, c'est canadien, ma grande. Ma grande. Oikos, c'est Danone aussi. Danone. Tivi aussi. C'est tout Danone. Catwalk, work it, work it, work it. Pose, strike a pose. En flic. Précise que ça, c'est le focal de la classe. Ça, je vais le mettre. Oh, Ben. Ben, tu te fais tout le temps ramasser. Mais oui. Life is life. Un jour, j'ai écouté Tarzan. Ah, oh, c'est tellement bon, Tarzan. J'ai excité. Comme ça, je faisais genre... J'ai pogné ça. Bon, que j'ai pogné ça, là. C'est sûr que je te mets ça. Un patchouli, man. Ben, raconte-nous quelque chose, s'il te plaît. Ben,
Ça prend combien de temps, Mathieu, T'as quoi? Raconte-nous une histoire d'enfance. Une histoire d'enfance. Quelque chose qui t'est arrivé puis qui t'a traumatisé. C'est quoi tes blessures? J'ai failli me faire kidnapper dans un bateau, pour vrai. J'ai vraiment pas aimé ça. J'ai déjà failli me faire kidnapper. Non, mais... Mais moi, c'était pour aller à Terre-Neuve, mais... What the fuck? Voir que tu... Comment tu t'es failli faire kidnapper? Ben, faut prendre un traversier pour aller à Terre-Neuve. Puis dans le traversier, j'avais genre, je sais pas moi, 6-7 ans. Il y avait un arcade. Puis je voulais aller aux arcades, tout ça, mais mes parents étaient vraiment plus loin. Tout ça. Puis ils ont fait, ben, vas-y. Puis ils ont nous rejoindre plus tard, puis tout. J'étais allé. Puis il y a juste une madame, genre, elle me fixait depuis que j'étais rentré sur le bateau. Une madame en plus. Ouais. Puis là, elle me dit, elle me pogne le bras, genre, come with me, come with me. Puis elle m'amène en haut, ouais, dans les cales. Genre, ben pas dans les cales, mais genre. Dans les cales. Ça va-tu finir? Tu vas te faire un wolf rape? Non. Mon père est arrivé, puis il a pété à l'aile. Mais non. Je te jure. Il a frappé la madame? Ben, Chris, oui, elle allait me violer. Mais quoi? C'est vrai? C'est... What the fuck? Je pense que c'était too much pour un vlog. J'étais le bout dark, là. T'as la partie dark de mon vlog. Ça fait peur, là. Ben oui, ça fait peur. Ça fait peur, ça. Toi, t'as-tu quelque chose à nous raconter de ton enfance? Genre, quelque chose de drôle. Là, maintenant, toi, il faut que t'ailles avec le drôle. Drôle, hein? C'est pas passé grand-chose. Ta gueule! Tranquille, là. Quelle enfance de merde. Ouais, vraiment. Tu t'es jamais pogné un bout de popcorn dans le nez ou... Quoi? Oui, mais c'était pas drôle. J'ai contenté de jambon. Dordo, parle-nous comment ça s'est passé dans le bateau quand t'es arrivé. C'était fresh out of the boat. Dans le boat, tu pick-up. C'est là, pas le chien. C'était comment? Il faisait froid, hein? Ça venait terrible. Il commence avec ça, genre, c'était une nuit terrible. La pire jour de ma vie. On était, moi, mes 17 ans, mes 17 frères et sœurs. Hey guys, donc je viens d'arriver chez nous, j'ai fini l'école, puis j'ai reçu par la poste mon BoxyCharm. Fait que là, je suis l'exciter. Je vais filmer ça à l'instant pour ma chaîne principale, donc c'est ce que je vais faire maintenant. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Sérieux, c'est le meilleur abonnement ever. C'est un petit peu plus cher, mais je vous jure, c'est des produits que vous allez utiliser, que vous allez aimer. Donc, c'est ça, j'ai hâte de l'ouvrir, puis il est pesant ce mois-ci, fait que j'ai hâte de voir. Allô les filles, donc on revient du cinéma, puis c'était le meilleur film, sérieusement, c'était tellement bon. Donc on est allé voir The Passengers, qui a Jennifer Lawrence comme actrice, puis le gars, je me rappelle pas trop, c'est quoi son nom? Je vais demander à mon copain dans deux petites secondes, mais dans le fond, c'est l'histoire de... Mais c'était quoi le nom de l'acteur, le gars? Chris Pratt. Chris Pratt. Donc l'actrice principale c'est Jennifer Lawrence, puis l'acteur principal c'est Chris Pratt. Pratt. Puis dans le fond, c'est pas mal juste eux qu'on voit dans le film, tout le long du film. Là, c'est comme juste un film de ces deux-là. Puis c'est deux personnes qui décident d'aller dans une nouvelle terre. Donc ils s'embarquent dans un vaisseau spatial qui va durer 120 ans pour aller à la nouvelle planète. Le vaisseau spatial, il pogne une comète, puis là, dans le fond, lui, il se réveille. Puis après, elle va se réveiller. Puis dans le fond, il tombe en amour. Mais là, plus que le temps passe... Mais dans le fond, il tombe en amour, mais ils se sont réveillés comme 90 ans avant qu'il était supposé. Donc, dans le fond, c'est ça, là, vous allez voir l'histoire d'amour, puis ce qui se passe, comme la tragédie qui se passe après, parce qu'il faut qu'il sauve les 5000 autres personnes. Puis c'est ça. Donc, c'était tellement parfait. Il y avait assez de romance. Je trouvais que les personnages étaient bien choisis. Puis, ben, les acteurs étaient bien choisis. J'ai aimé le montant de suspense qu'il y avait, puis tout. Sérieusement, c'est vraiment captivant comme histoire, puis j'ai vraiment pas vu le temps passer. Donc, c'est un film que je vous conseille fortement. Moi, je pleurais, là, comme... J'essayais de pas pleurer, mais je pleurais, là. Donc, la fin, j'ai pleuré encore plus.
Parce que, tu sais, vous le savez, là, je suis un gros bébé. Donc, c'est pas mal ça pour mon vlog d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Et demain, je ne crois pas vlogger parce que j'ai pas assez de batterie dans ma caméra. Donc, je vous vois à très bientôt. Bye!